Meuf, la qualité quand on fait la vidéo, regarde. Attends. Et on se retrouve pour un vlog. Le wok. Oh putain. Ah coucou. Truc de fou. Voilà. Je reviens sur YouTube parce que du coup, comme j'ai en fait fêté mon anniversaire, donc les week-ends, tout ça, je profitais avec mes proches. Et j'avais pas forcément le temps de faire du contenu vu que bah maintenant je retravaille. Enfin j'ai plus cours en fait. Donc je finis mon alternance en semaine normale. Donc voilà, et du coup là je me suis dit que ça aurait pu être sympa de vlogger pendant une semaine. Donc là on est actuellement le mardi 21 juin, jour de la fête de la musique et jour de l'été. Et comme on peut le voir, il fait super beau, wouhou, c'est la Bretagne, yes. Donc voilà, du coup il fait très moche. Enfin ce matin ça a bien démarré. Là il pleut de ouf et bah on est sur de l'orage hein, vraiment pas mal, je déteste ça, voilà. Pas du tout dans l'excès votre copine, pas du tout. D'ailleurs j'ai commencé une nouvelle série, je regarde, comment ça s'appelle, ça s'appelle Surviving Summer. C'est trop cool. Je suis à ma pause de travail là. Je viens d'arriver, j'ai été chercher du pain. Par contre on en parle, cette chaleur d'ours. Regardez mon outfit, oh j'aime trop comment je suis habillée, regardez. Genre, petit pantalon comme ça, il vient de chez Emmaüs, je crois. Ma banane, elle vient de chez Kilo Shop. Et puis, bah, mon petit top, il vient de chez H&M. Mais j'aime trop, j'ai mis ma menu balance comme d'hab, vous savez, avec un peu de vert. J'aime trop, en plus, je peux grave mettre cette casquette-là. Voilà. Et voilà quoi. J'ai reçu un petit colis, on va l'ouvrir ensemble, on se parti. Oh, mais il fait chaud. Il fait plus chaud dans mon appartement que dehors, limite. Bon, normalement c'est censé être un parfum, donc on va voir, j'ai des cheveux partout, je crois que c'est ça. Ça a l'air beau. Une ouverture de colis sacrément compliquée. True Encounters. Bonjour Zoé. Ah voici. Ah ça sent bon. Nous sommes super ravis de collaborer avec vous. Nous espérons que vous apprécierez nos fragrances. A bientôt l'équipe Majouri. Donc c'est Majouri, la marque. Et du coup ça sent incroyablement bon. Ah bah je pense que ça devait être dans la petite carte. Ah bah tout a volé en éclats. Ah non, il y a un autre truc. Qu'est-ce qui se passe? Non. Ah non. Ah ok. What? Ok. En fait, il y a tous les parfums qui devaient être dans l'enveloppe, je pense. Voilà, et qui se sont barrés, tout simplement. Ouais, ils ont eu 36 000 échantillons. Attendez, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 échantillons. Et là, on a le parfum. Ça, j'ai pris le Crazy in Love. Il est incroyable. Les détails et tout. Oh, mais j'adore. Mmh. Ah, j'aime trop. Oh, j'adore. Oh. Enfin, c'est une autre parfum. Je crois. Il me semble. Mais oh, mais ça sent trop bon. Je suis contente. Coucou, on est le jour J de mon birthday. Donc là il est 14h, c'est ma pause. J'ai fait en fait la déco déjà il y a quelques jours. Parce que comme, je sais pas si je vous l'ai dit en fait, comme je faisais les cartons, bah du coup j'avais entrepris la déco quoi. Donc je vous montre ça. Du coup, donc là on a la partie petit gâteau apéro. Des petits chamallows, voilà, j'ai customisé ma bouteille, elle est trop belle. Les ballons, bon lui il se dégonfle tout le temps, je sais pas pourquoi. Voilà, la petite jarre, tout ça, donc très mimi. J'ai mis ici un boa rose, au cas où on n'a pas compris le thème. Des billets, parce que la moula, on en a besoin.
Là, il y aura le petit bar. Donc le reste, c'est au frais et j'alternerai. Ici, petit rideau parce que du coup, ma porte de chambre sera fermée. Comme ça, sera ici le stand à photo avec la ring light. Et ici, on a le coin vert avec mon livre d'or. Voilà, donc tous les verres, les prénoms, tout ça. Et là, il pleut. Yes, il fait super moche. Du coup, là, il y aura aussi tout ce qui sera genre pizza, les plats chauds, quoi. Donc voilà, je suis trop contente de la déco. Et puis, bah, j'ai trop hâte, en fait. Voilà, tout simplement. Est-ce que... Je suis dégoûtée parce que là j'étais censée être en train de me faire tatouer. Totalement. J'ai l'impression que tout ne veut pas que je sorte de vidéo. C'est-à-dire que depuis que j'ai eu ma caméra, j'arrive pas à faire le montage en fait. Enfin, le logiciel que j'ai il bug. Du coup, c'est pénible. Et je pense qu'avant j'étais grave dans mon confort. De faire sur le téléphone et tout, montage sur la tablette, c'était hyper rapide. Et genre j'avais tout à portée de main. Et du coup en fait j'aimais bien, mais je voulais une caméra pour être plus pro. Sauf que bah maintenant que j'ai tout ça, j'arrive pas en fait à m'y mettre. Parce que ça fait un mois que j'ai pas sorti de vidéo. Et que là je m'étais dit, ouais je vais faire un weekly vlog et tout pour montrer quand je vais me faire tatouer. Et le rendez-vous est annulé. Donc je vais pas pouvoir sortir ma vidéo dimanche puisque je vais pas sortir une vidéo de même pas 5 minutes qui est censée être un weekly vlog. Bref, je viens de me lever et je suis pas dans un bon mood là, du coup je m'en remets pas. Du coup ce weekly vlog, je sais même pas quand est-ce qu'il va sortir. Bon, j'ai reçu un colis. Donc je vais chercher. On va l'ouvrir ensemble. C'est un truc que j'ai commandé. J'ai pas de ciseaux. J'ai commandé ça sur internet parce qu'en fait, je voulais des belles tongs confortables. Et du coup, je suis tombée sur ça qui était en promo pour les soldes. Et elles sont trop belles. Oh, elles sont trop belles. Elles sont trop belles. Regardez, ça va super bien avec mon outfit, vous trouvez pas? Non mais j'aime trop. Oh, mais elles ont l'air trop confortables. Hein. Déjà c'est surélevé, moi c'est ce qu'il me faut parce que j'ai des semelles orthopédiques et les sandales que j'avais achetées, elles sont trop plates donc ça faisait hyper mal au dos. Donc là déjà pas mal. Ça c'est sûr, ça va pas faire mal au yep. Hein. Et elles sont 100% en lin. J'ai pris taille 38, j'espère que ça va aller. Normalement elles étaient à 29,99 et en promo j'ai les eu à 17,99, donc trop bien. Et 100% en lin quoi quand même, donc trop bien. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, je vais les essayer. Oh, faut pas avoir un gros pied hein, dis donc. Oh, et c'est pile poil hein. Je sais pas si j'aurais dû prendre 39 ou pas. Je sais pas si j'aime. Je viens de couper l'étiquette en plus. J'espère qu'il n'y a pas de fétichiste des pieds dans vous en fait. Mais voilà ce que ça donne. En fait, ça fait un peu bizarre. Oh, oh non. Oh non, je sais pas. Et en fait, ça me fait super mal là, le truc au pied là, entre les orteils. Oh, en fait, elles sont belles comme ça. Mais une fois que tu mets le pied, ça écarte de fou. En tout cas, point positif, c'est que si j'avais été chez le tatoueur, j'aurais pas pu réceptionner ce colis puisqu'il rentre pas dans la boîte aux lettres, j'ai dû prendre au facteur. Et donc, j'aurais dû après attendre je sais pas combien de temps pour aller chercher à la poste. Donc voilà, déjà, premier bon point finalement, il faut toujours trouver le positif. Deuxième bon point, j'ai des tongs pour la plage. Mais, je sais pas quoi en penser. Mais en vrai si... Par contre, ça fait un peu mal aux pieds là. Mais on va essayer. Après la taille, je pense que j'aurais dû prendre 39. Mais bon. Ça va le faire, on va dire.
Ouais, je vais quand même du pont 39. Oh, ça va le faire, ça va le faire. Bon, je vais peut-être les enlever quand même. Par contre, elles sont vraiment confortables au niveau de la semelle. Il y a juste le truc du pied, ça fait un peu mal, mais je suis pas habituée à porter des tongs. Genre là, moi j'ai mes tatanes comme ça, vous voyez, pour chez moi. Même pour le camping, ce sera bien. Mais du coup, là, troisième chose qui va faire qu'on va passer finalement quand même une bonne journée, eh bien, on va se faire un bon petit déjeuner ensemble. Et du coup, si... Je commence à 15h en fait, donc déjà ça c'est un bon point. C'est pour ça que ça aurait été trop bien du coup que je me fasse tatouer. On va faire le petit déj. Va falloir se make-upper en fait. Hein. Ça y est, j'ai mangé, mais en fait j'en peux plus. Genre j'ai trop mangé. J'ai mangé 3 tartines, mais j'aurais dû en manger que 2. Plus après j'ai mangé le fruit. Ouh, j'ai mal au ventre. Je me rends compte que je me suis maquillée en 5 minutes. On voit toujours mes cernes. Super. Non mais j'ai pas mis mes lunettes. Regardez, elles sont juste là. Là je vais les mettre, ça va tout changer. Attendez, puisqu'elles sont un petit peu sales. Hop. Là ça va mieux. Puis bon, en plus j'ai mes cheveux attachés. Bref, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous présenter ma sélection Kilo Shop du mois de juin. Même si cette vidéo sortira en juillet. Mais mon mois de juin était vraiment chargé. Mais du coup, la semaine dernière j'ai été à Kilo Shop avec... La semaine d'avant. Ouais, déjà il y a 2 semaines. Oh, j'étais avec Manon JGT. On est allé, donc je lui ai fait visiter Rennes, tout ça. Et on est allé à Kilo Shop. Du coup, j'ai pris des petits trucs. Donc, je vais vous montrer ça. Et ça va sûrement me faire mon outfit. Mais c'est sombre un petit peu là, la lumière. Voilà. Et du coup, je me suis dit, ça allait faire mon outfit. Et en même temps, je vous présente mes sélections. C'est parti. Alors en premier, on va commencer par ceci. J'ai pris une jupe, genre je suis tombée grave par hasard dessus. En vrai, j'ai fait ma sélection hyper rapidement. Parce que bah déjà d'une, on n'avait pas beaucoup de temps avec Manon, parce qu'après, il fallait qu'elle aille prendre son blabla car. Et au final, j'ai quand même pas mis de temps. Donc une petite jupe comme ça, elle est trop kiki. Bon, je pensais qu'elle était vintage, c'est une Zara. Mais n'empêche qu'elle est, elle est trop belle. Du coup je la mets avec un petit top que j'ai trouvé chez H&M. Oui je sais c'est de la fast fashion, mais des fois voilà je craque sur des petits trucs genre ça. Un petit top en serviette comme ça, matière éponge, vous voyez. Et en fait ça va trop bien avec la jupe. Je vous montrerai, c'est trop beau, j'aime trop. Ensuite j'ai pris un petit t-shirt comme ceci, plutôt vintage, voilà, ça fait très vacances, c'est écrit Malibu en surpiqûre, en couture, en fil, en broderie tout simplement. Voilà, j'aime bien, c'est assez cool, tu mets ça avec un petit short, un truc comme ça, c'est sympa. Ça, qu'est-ce que j'ai plus d'autre? Ah, ça. Ça, c'est cool. Je trouve pour la plage. Je sais pas pourquoi. Enfin, moi, j'aime bien la tendance tie and dye qui revient un peu. Je sais pas si vous aimez. Dites-moi dans les commentaires. Donc, c'est un long t-shirt comme ça. Et en fait, il fait. Soit vous pouvez mettre même un cycliste en dessous. Ou à la plage, quand tu sors de la plage et tout. Sinon, ça va un petit peu court pour se balader dans la rue avec, je trouve. Mais sinon, j'aime bien. Hein, franchement. Donc voilà, et il a un col plutôt montant, donc voilà, c'est sympa. Et une robe aussi. J'ai pris une robe, parce qu'en fait, là, chez Kilo Shop, en ce moment, pendant les soldes, vous pouvez aller voir, il y a une dans tous les Kilo Shop de France, il y a une sélection de robes à 19€. Et donc du coup, moi, quand j'ai été, il y en avait quelques-unes, j'en avais sélectionné une marron, et au passage à la caisse... ils étaient en train d'en défaire des ballotins. Et là je regarde, je fais, ah mais elle est trop belle celle-là.
Et donc du coup au final j'ai reposé celle que j'avais choisie et j'ai pris celle-ci. Donc elle est blanche en... Alors le tissu je sais pas trop ce que c'est. C'est matière chemise fine quoi. Il n'y a pas d'étiquette donc j'ai aucune idée. Ah si là peut-être, qu'est-ce que c'est? Non pas du tout, c'était une couture. Oh, j'ai un problème de vue. Mais elle est trop sympa, déjà les rayures c'est pas les mêmes. Vous voyez là c'est des grosses rayures, là c'est des petites. Et il y a des boutons aussi dans le dos. Voilà, et là tout le long en fait. Donc on peut faire un décolleté plus ou moins long. On peut faire ici au niveau des jambes une ouverture. Enfin bref, elle est trop sympa. Ceinturée avec une petite ceinture en paille que j'aime trop. Et les manches, bah du coup comme elle est un peu oversize, du coup genre ça veut pas, c'est pas ça qui est direct à mon épaule, mais du coup ça fait un peu manche courte quoi. Elle est trop sympa. Et j'ai un dernier petit t-shirt. C'est celui-ci, une marinière. J'aime trop les marinières, voilà. Donc voilà ma... Oh mais il y a des taches dans le dos, j'avais pas vu. Bon. En tout cas, ma sélection était super rapide, mais je suis trop contente, vraiment, genre j'aime trop tout ce que j'ai pris. J'ai trop hâte de les porter cet été, parce que du coup, je pars bientôt en vacances, donc j'ai très hâte. Donc voilà, et eh bien écoutez maintenant comment je vais m'habiller. La marinière, j'ai déjà porté, je vais pas mettre le top tie and dye, il fait trop froid pour mettre la robe, la jupe, pareil. Donc on va partir sur ce petit top-ci. Avec un jean mom pour faire un outfit plutôt basique. Je vais mettre mon mom qui est bah, qui vient de chez non attendez. Si il vient de chez Kilo Shop. Non. Non il vient d'où? Bah d'où vient mon jean hein? Je suis bête ou quoi? J'ai bugué, j'ai enfin retrouvé d'où il venait. Parce que j'en ai un de chez Kilo Shop, mais non. Celui-là, je l'avais pris à un corner qu'il y avait à Laval, au My Frip. C'est en fait une fripe qui se déplace un peu partout. Et je l'avais acheté en octobre, je sais pas vous, si vous aviez vu la vidéo. J'avais mis une vidéo où j'avais été. J'avais pris ce jean-là avec mon sweat vert universitaire que je portais tout le temps cet hiver-là. Et une veste marron en velours côtelé. Que j'adore. Du coup voilà. Je me rends compte en vrai que vraiment genre mes pièces que j'achète en fripe, je suis fan. Genre vraiment. Genre ça a du cachet. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Bref, je vais m'habiller tout de suite maintenant. Bon, voilà mon petit outfit. Outfit, ouais, mon petit outfit. Hein, avec mon jean, voilà. J'ai mis mes tongs, bon, je vais pas les mettre au travail, mais j'aime trop. En vrai, ça rend grave bien avec le jean. On dirait que je vais en vacances là, accessoirement, mais c'est pas grave. J'avais envie de faire un truc. Ah mais ça pue les égouts, c'est horrible. Ça pue chez moi. Ça pue. Bon, changement de programme. Parce qu'en fait, faut que je me change. Parce que ma patronne vient de m'appeler et elle m'a dit ce soir, faut que tu sois en guinguette. Du coup, on s'habille en vert. Donc, je vais mettre un petit pantalon blanc avec un top vert, je sais pas encore lequel je vais mettre, je vais voir. Il faut mettre un chapeau. Du coup je dis bah d'accord, j'en ai beaucoup. Sauf qu'en fait quand je regarde mes bobs, c'est surtout des trucs d'hiver. Et sinon c'est des casquettes, mais pas casquettes. Elle m'a dit au pire tu mets ton chapeau de cow-boy des 20 ans. Voilà, super, donc je vais vraiment travailler avec ça sur la gueule. Donc la truc de fou, genre je sais pas trop comment m'habiller parce que elles mettent toutes un petit peu de vert et tout. Et genre je me suis dit bah je vais prendre ce top là avec mon pantalon blanc. Je sais pas pourquoi je me suis dit je vais rajouter un foulard parce qu'en fait faut qu'on porte un chapeau. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Oui je vous l'ai déjà dit. Mais du coup là j'ai mis un foulard là. Bon, ça fait pas du tout dans le thème guinguette. Mais ça fait trop beau regardez. Genre. Oh, j'aime trop avec mes tongs là justement. C'est trop beau, je veux trop m'habiller comme ça en vacances, là, ça y est, je vais être en vacances. Oh, j'aime trop. Mais du coup, bah c'est pas ma tenue, enfin ça fait pas guinguette, en fait. Là, ça fait Mamma Mia. Mamma Mia, it's the no one la la. Du coup, finalement, voici ma tenue. J'ai mis un petit foulard, comme ça, j'espère que ça va passer pour un chapeau, parce que
chapeau là, je. En plus, je me rappelle, j'avais un bob rose de chez Pimki de la collection de l'année dernière. Et je le retrouve pas. Je comprends pas où est-ce qu'il peut être. Donc bon, on va rester sur ça. Et puis voilà quoi, j'ai mis une veste par-dessus. Une veste parce que là en fait je pars au travail. Donc je ne sais pas quand est-ce que je vous retrouve. Je vous dis à bientôt. Enfin en fait pour vous ce sera vraiment juste après. Aujourd'hui nous sommes le 1er juillet. Et j'attendais cette date avec impatience. Parce que de une, il y avait la deuxième partie de Stranger Things qui sortait. Et de deux, les résultats du BTS sont tombés. Et devinez qui l'a eu. C'est moi, je l'ai eu, j'ai eu mon BTS. Franchement, je suis trop fière de moi parce que moi, l'école, c'est vraiment pas du tout ma tasse de thé. Et pourtant, Dieu sait comme j'aime le thé. Mais du coup, bah, d'où le fait que je prenne en alternance finalement. Et donc, je suis hyper fière de moi d'avoir réussi tout ça. Parce que ça a été deux années vraiment pas faciles du fait que... bah il y avait tout ce qui était sur les chiffres, les trucs comme ça, parce que pour ceux qui savent pas, j'ai fait un BTS dans la vente en fait. Donc voilà, donc je suis trop fière de moi, j'ai pas encore pu accéder à mes notes parce qu'il y a un problème avec les codes et tout, mais déjà le fait de savoir que je l'ai, même si j'étais, au fond de moi je le sentais, vous voyez, je savais que j'avais réussi, mais le fait d'en être sûre, de voir admis à côté de mon nom, ça fait plaisir, donc voilà. Je pense que je vais m'arrêter là, déjà si j'arrive à faire le montage de tout ça, ce sera pas mal. J'ai pu recaler mon rendez-vous de tatouage lundi, donc ça sera le 4 juillet je pense. Donc du coup, bah, ce sera pas dans le vlog. Je vous montrerai en IGTV, enfin non ça n'existe plus, en réel Instagram, enfin bref, sur Instagram. Je vous montrerai tout ça et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous voyez quand même la différence de qualité parce que bon, pas la même chose. Et puis mon montage aussi, j'espère que mon montage vous aura plu. Je vous fais plein de crop issues et à bientôt. Mouah.